Et bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être là. Très bonne année 2023. Je suis ravi aujourd'hui de commencer cette reprise des lives en tout cas que j'organise depuis bientôt un an. Et aujourd'hui, pas des moindres parce que je suis donc avec Christelle et Julia pour parler d'un sujet en tout cas qui me tient moi personnellement à cœur. La RSE, quel enjeu pour les RH aujourd'hui? Avant de commencer les présentations, n'hésitez pas, en tout cas pour les personnes qui sont là, à nous faire un petit coucou dans le live, à vous présenter. Comme ça nous motivera et on se dira avec Julia et Christelle que on n'est pas seulement, ça sera pas seulement visionné en replay, il y a aussi des gens qui sont là, qui prennent du temps sur leur pause déjeuner pour être avec nous aujourd'hui. Rapidement, moi aujourd'hui je travaille chez Chance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Chance, on réinvente le bilan de compétences pour permettre aux entreprises de s'assurer que leurs collaborateurs soient alignés sur leurs évolutions professionnelles et le sens de notre travail. Donc, on va répondre à des sujets comme l'égalité homme-femme, le maintien dans l'emploi des seniors, les conversations carrière et de mobilité interne. Et aujourd'hui, pour info, Chance, ça a été réalisé déjà par plus de 15 000 personnes. Voilà, on va parler donc RSE et l'enjeu pour les RH aujourd'hui. Julia, est-ce que je peux te laisser te présenter ce Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Donc moi, je suis responsable RH chez Ipsor depuis un peu plus de 3 ans. Donc j'ai un périmètre assez généraliste avec tous les plans de la fonction RH. Alors Ipsor, qu'est-ce que c'est? C'est l'alternative aux solutions d'épargne salariale et retraite traditionnelle. Concrètement, ça veut dire qu'on conçoit et qu'on commercialise des solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite. Je ne sais pas si des mots comme intéressement, participation, abondement, PE, PER, enfin voilà, c'est tout cet univers-là. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'épargne salariale et l'épargne retraite, ce ne soit plus un parcours du combattant et que chaque épargnant, finalement, qui en bénéficie, puisse comprendre le fonctionnement et les bénéfices. Trop chouette, merci. Et d'ailleurs, petite dédicace à Ipsor, puisque on me souffle dans l'oreillette que Chance a souscrit justement à Ipsor, donc a signé un contrat pour l'accord d'intéressement. Voilà. Merci Et nous Julia. en sommes ravis. Christelle, est-ce que je peux laisser te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Et pareil, hein, bonjour à tous ceux qui sont là. C'est très chouette d'animer ce live avec vous tous. Moi, ça fait 3 mois, presque jour pour jour, que j'ai rejoint Bene Bono, qui s'appelait auparavant Hors Norme. Bene Bono, c'est une solution digitale qui s'attaque au gaspillage alimentaire en amont de la chaîne de valeur. Concrètement, on valorise auprès des producteurs, des transformateurs, des produits qui sont bons. Qui auraient été gâchés pour de mauvaises raisons. C'est les fameux légumes moches qui sont hors calibre et qui ne sont pas acceptés par les circuits traditionnels de la distribution des produits bio en France notamment. On a aussi des raisons qui sont des fois complètement cosmétiques, comme un emballage qui est un peu abîmé ou une erreur d'impression logo. Voilà. Donc nous, on a dans notre mission, hein, qui est intrinsèquement liée au sujet dont on va se parler aujourd'hui, la RSE, un enjeu du coup de sauver du gâchis tous ces bons aliments. En général, les aliments qui sont gaspillés, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas rien. Et puis, il y a aussi un enjeu social, puisque c'est un manque à gagner pour les producteurs, puisque tous ces bons produits ne sont pas commercialisés. Donc, c'est là où on intervient pour sauver tous ces bons produits du gaspillage. Voilà ce qu'on fait. Merci. Et du coup, pour rebondir, tu es aussi membre cofondatrice donc de l'IDEA Pact, dont est signataire Chance aussi également. Est-ce que tu pourrais me toucher un mot sur... Bien sûr. Donc, il y a presque, je crois, 1 an et demi maintenant,
Et 1 an et demi, 2 ans, donc quand je travaillais donc pour le groupe Litchi, est née la volonté d'engager un autre axe de la RSE qui est notre politique inclusion et diversité. Et pour la mettre en œuvre, moi j'ai naturellement sollicité d'autres pairs RH comme Julia par exemple et d'autres. Et on a eu cette discussion de qu'est-ce que vous faites pour la diversité dans votre entreprise, comment on la met au cœur de la stratégie RH. Et donc, on a commencé des discussions en se disant en fait si je dois créer une politique de diversité et inclusion dans mon entreprise, c'est quoi vraiment la baseline que je dois mettre en œuvre? Et de ces discussions, très vite est né un collectif qu'on a appelé donc ID, puisque le programme inclusion diversité dans le groupe Litchi s'appelle ID. Donc c'est inclusion, diversité, équité, accessibilité. C'est là d'où vient donc ID. Et en fait, l'objectif de ce collectif, c'est de se réunir pour partager ses connaissances. On a mis en place des engagements qui nous semblent être la base des engagements diversité en entreprise qu'on devrait tous mettre en place. Et on se questionne, on se challenge, on échange autour de ces enjeux. Moi, j'ai fait une petite pause ces derniers mois parce que j'ai eu un petit bébé. Mais là, en début d'année, on reprend la suite de ce collectif. Et on va d'ailleurs bientôt se réunir pour faire le bilan d'ici dans le mois de janvier. Voilà. Et je précise, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, ne pas hésiter à me faire un MP sur LinkedIn pour en savoir plus sur le collectif. Il est ouvert à tous et à toutes. Et pour info, donc je mettrai le lien dans la description de cet événement, comme à peu près toutes les ressources qu'on va pouvoir citer, voilà, s'il y en a, que je mettrai à chaque fois, vous pouvez retrouver sur l'événement. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc là, on est là ensemble pour une quarantaine de minutes à peu près, donc pour parler sur ce sujet donc de RSE, quel enjeu pour les RH aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, si vous avez des feedbacks, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à dire en tout cas, n'hésitez pas à l'exprimer sur le chat. Moi, je sortirai effectivement les sujets de prospection commerciale d'un côté, mais je ferai apparaître les questions pertinentes à l'écran pour que Christelle ou Julia puissent y répondre. En tout cas, même voilà, des retours d'expérience ou autre, n'hésitez vraiment pas. J'attends pas la fin du live pour les prendre. Donc, n'hésitez vraiment pas à n'importe quel moment à l'exprimer. Bon, et ben, c'est parti. On commence dans le vif du sujet. RSE, quel enjeu pour les RH aujourd'hui? Moi, je me suis basé en préparant donc, du coup, cet échange sur un sondage Ipsos donc, qui date de juin 2020. 90% des salariés jugent essentiel que leur entreprise donne un sens à leur travail. 85% estiment que ça leur permette de se sentir utile par rapport aux autres. Donc, en gros, si, est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce que ça englobe quand on parle de RSE et de plus précisément de RSE en matière RH? Sais pas, que Christelle, par exemple. Alors, la RSE, ça signifie déjà donc responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. C'est toutes les démarches qui sont en faveur de la durabilité, de politiques qui viennent toucher plusieurs leviers, la gouvernance, évidemment les enjeux environnementaux. On classe dans finalement la contribution à la société, hein, si j'englobe tout ça, des entreprises dans ce domaine-là. Ok. Julia, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou... Oui, mais je pense effectivement que notamment ce fameux S, social, sociétal, je pense que par nature, du coup, ça concerne les hommes, les femmes, les humains, et du coup les salariés, et du coup l'expérience collaborateur. Et finalement, enfin, peut-être que le sujet RSE avant tout, c'est avant tout, je pense, la culture d'entreprise, la culture managériale, c'est le fait en fait de porter dans son projet d'entreprise, dans ses convictions, le fait que ben, faire du bien à la société, faire du bien à l'environnement, faire du bien à ses salariés, c'est un objectif prioritaire et du coup dans la façon dont on fait les choses, l'intégrer finalement à tout moment. Et du coup, ça peut en fait rayonner dans toutes les dimensions RH, recrutement, politique de rémunération et de bénéfices, l'environnement de travail, le télétravail, enfin voilà, énormément de sujets. Donc je pense que ce qui est important, c'est de
en termes de culture et de conviction à la base de l'avoir. Et en fait, du coup, derrière, il y a plein de façons de l'exprimer. Ok. Pourquoi, enfin, du coup, moi, c'est une conviction personnelle, mais pourquoi, selon vous, en tout cas, les RH vont être un acteur central de la RSE par rapport à d'autres départements de l'entreprise? Moi, je veux venir peut-être à contre-courant de ce que tu dis. Je pense justement que les RH doivent pas forcément avoir un, comment dire, une place particulière. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Je me dis justement pour que la RSE elle se mette en place et qu'il y ait des vraies actions, c'est un sujet global. Donc, il n'est pas juste réservé à la RH ou à une direction impact. On voit beaucoup de directions impact là qui se créent ces derniers temps, notamment dans le digital, dans les startups. C'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est un sujet hyper global. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas le refermer sur un sujet qui serait que la responsabilité des RH. En réalité, on n'arrive pas à mettre en place d'engagement RH qui soit significatif si toute l'entreprise n'est pas impliquée, si la direction elle est pas impliquée, si c'est pas dans les objectifs même qu'on se donne, les objectifs stratégiques commerciaux. Donc non, en fait, je pense vraiment que c'est quelque chose de global. Et bien sûr, la RH, elle va jouer sur plusieurs choses. La bonne culture managériale, l'inclusion, la diversité, les aspects qualité des locaux, la gouvernance, etc., etc. Je ne sais pas si tu veux compléter, Julia. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une affaire de tous. Après, c'est sûr que je trouve que nous, en tant que finalement gardiens justement de ces valeurs, des comportements, des pratiques, on est une bonne personne pour sans doute l'idée, insuffler. On n'est pas, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est tous, toutes les bonnes volontés dans l'entreprise sont les bienvenues et tout seul, on n'arrivera jamais. Mais voilà, on sait que la RSE, c'est un levier pour la performance, pour le recrutement, pour la rétention. Et donc, en fait, finalement, tout ça, quand même, ce sont des sujets RH. Et du coup, c'est vrai que, ben, on attend de nous que les personnes soient finalement dans des bonnes conditions pour donner le meilleur. Et la RSE, ça y participe grandement. Donc, je fais malgré tout, même si je suis d'accord avec toi, un lien fort entre le sujet de la RSE et des RH, en effet, oui. Bon, faut emmener tout le monde dans l'entreprise, en tout cas sur ce sujet-là. Ça, on est d'accord. C'est clair que ça peut pas être, en tout cas, réservé et compartimenté à un seul département, que ce soit les RH dans l'entreprise. Il faut que ce soit insufflé, dans l'entreprise. Ok, juste parce que ça, c'est une question moi que je me suis posée, encore une fois en préparant l'exercice. Qu'est-ce qu'on appelle exactement entreprise responsable? Est-ce que vous pourriez, je sais pas, éclairer, peut-être les personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça... Alors, je ne sais pas s'il y a une définition officielle que je ne connais potentiellement pas, mais en tout cas, je peux te donner la mienne. Pour moi, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui va contribuer aux enjeux de développement durable et en fait qui a un impact positif sur la société tout en évidemment recherchant en étant économiquement viable. Je pense que enfin, ça fait quand même partie en général, moins qu'on soit une association. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cet impact positif. Et typiquement, donc, chez Epsor, tout à l'heure, Christelle parlait de l'activité de Bénébono. Mais nous, en fait, à travers l'épargne des salariés, on estime qu'on peut avoir un super impact sur la société et sur l'environnement en leur proposant, en fait, des gammes de fonds qu'on appelle ISR, investissement socialement responsable, et qui vont justement financer ces projets qui font du bien. Et c'est notre responsabilité de le faire et d'emmener nos épargnants vers cela parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Donc, si je résume, société en tout cas qui a vocation de faire du bien, c'est ça, en gros, une entreprise responsable. Moi, je trouve, ouais. Ouais, faire du bien à tous les acteurs et toutes ces parties prenantes dans leur globalité, salariés, clients. Etc., etc. Partenaires, Ouais. ouais. Ok, bah tiens, première question, Arthur Olivier, premier sur le chat, avant d'enchaîner. Donc, est-ce qu'une entreprise responsable égale une entreprise à impact positif? Bon, a priori, c'est ce qu'on a à peu près dit, non? Ça.
Oui, exactement. Après, il faudrait voir ce que vous appelez impact positif. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on mesure le fait qu'on est une entreprise responsable ou pas. C'est effectivement regarder par rapport à des indicateurs qu'on peut avoir sur des émissions carbone, sur de la contribution à des projets impact, sur du bien-être des collaborateurs. Donc, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler avoir un impact positif. C'est là, effectivement, qu'on peut se dire qu'on est une entreprise responsable. C'est parce que finalement, l'action, le rayonnement qu'on a dans la société est positif, en effet. Trop cool, merci Julia pour cette réponse. Si on, donc, je suis là, je me positionne. Voilà, il y a plus de 230 personnes qui sont inscrites aujourd'hui sur le live. Je ne sais pas encore quelle est la proportion en tout cas de personnes RH, mais adressons-nous directement à ces personnes. Je suis RH aujourd'hui. Comment est-ce que je peux mettre en place une stratégie RSE dans mon entreprise? Les bonnes pratiques, les travers à éviter, etc. Christelle, passe. Alors, pour moi, il y a pas une façon de le faire, mais je pense autant que d'entreprise. Mais je vais essayer de partager, pardon, quelques bonnes pratiques. Je pense que déjà, c'est de se dire, comme on a dit, que c'est tout l'écosystème qui doit y contribuer, que on va pas traiter ce sujet à part, qu'on veut le rattacher aux objectifs et à la mission de son entreprise. Et donc, du coup, finalement, cette notion de RSE, elle est intuitue, personae de l'entreprise auquel on appartient et qui a des enjeux différents. Et donc, du coup, on va venir traduire ça. Je donne un exemple précis. Par exemple, aujourd'hui, chez Benebono, on livre du coup des paniers anti-gaspi. Donc, les enjeux RSE vont être typiquement sur des enjeux de transport, qu'ils soient les plus verts, etc. Exemple. Eh ben, moi, je vais venir y coller finalement, comment dire, des objectifs par rapport à ça. Et chez Obsor, il y aura d'autres objectifs qui seront rattachés, donc encore une fois, à leur mission. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi de faire ce travail déjà, de se dire, bah, en fait, c'est quoi la mission de l'entreprise et son activité? C'est quoi les externalités et les dépendances que je trouve? Et ensuite, bah, quels sont mes leviers? Et à partir de ce moment-là, on peut venir commencer à déterminer un certain nombre de critères et établir un plan d'action sur lequel on s'appuie. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail en amont, c'est un peu difficile de se dire, ben, finalement, je vais partir sur tel et tel élément. Ouais, ok. Donc déjà commencer par audit global du fonctionnement de la société. Tout à fait. Bien prévenir, j'imagine aussi l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le top management, les collaborateurs, en tout cas que de cette démarche-là, et essayer d'avoir en tout cas une vision déjà globale de comment tout se passe, c'est ça? Ouais. Et en plus, je rajouterais impliquer tout le monde. En fait, globalement, en entreprise, tu trouveras rarement des personnes que tu vas voir en leur disant moi, j'ai envie qu'on travaille sur les enjeux de la RSE, que la personne te dise ah ben non, c'est n'importe quoi. Je pense que globalement, on a cette prise de conscience aujourd'hui. On a une responsabilité en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, et on a tous envie de bien faire. Maintenant, là où se situe une vraie difficulté d'exécution, c'est bah, concrètement déterminer les mesures à mettre en place et derrière le plan d'action. Et pour ça, il faut vraiment du coup qu'il y ait une compréhension, je dirais, à tous les niveaux et qu'on soit d'accord pour être main dans la main et pour, comment dire, pour avancer là-dessus. Sinon, en fait, on fait que de la com et on dit, bah, venez. Et souvent, hein, les entreprises, elles sont targuées de greenwashing. Je pense notamment à Volkswagen, où il y avait eu un scandale parce que bah, typiquement, ils avaient vendu des moteurs avec en disant qu'ils étaient verts alors que c'était pas le cas. Enfin, et c'est le premier exemple qui me vient comme ça en tête, mais il y en a d'autres. Très vite, en fait, on est démasqué. Donc, travailler collectivement et comment dire, se mettre en ordre de marche pour exécuter les mesures. Ok. Avant de passer la main à Julia, je voudrais juste demander, c'est quand même possible, même si notre entreprise, fondamentalement, by design, elle n'est pas RSE compliant, on peut quand même, en tant que RH,
L'ARH de Volkswagen, disons, elle peut quand même mettre en place tout un et contribuer justement, non, à faire en sorte que ce soit plus En effet, même si demain ton activité, elle n'a pas pour mission, elle ne s'appuie pas sur un fondement de la RSE, il y a plein de choses que tu peux changer. Je pense typiquement au management, la gouvernance de l'entreprise, au partage, au partage du coup de la richesse de l'entreprise. Il y a plein de modèles, hein, dont ce que propose EPSOR. En fait, ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir, même si t'es pas une entreprise green. Ok, trop bien, merci. Merci. Et peut-être pour rebondir par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on accepte en fait ces ambivalences. En fait, on n'a pas le choix. Mais nous tous, on le voit bien, hein, à titre individuel, on a envie de, enfin, presque tout le monde maintenant a envie de s'améliorer. Et pour autant, on continue de faire des choses qui sont pas forcément, qui vont pas forcément toujours dans le bon sens. Je pense qu'il faut accepter toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes initiatives. Et justement, pas forcément. Bien sûr, il faut être exigeant avec les entreprises qui ont une responsabilité énorme dans toutes ces questions de transformation de la société et d'amélioration des conditions climatiques. Mais néanmoins, je pense qu'il faut laisser aussi des entreprises qui, malgré tout, dans leur nature, ont un effet qui n'est pas forcément positif sur la société ou sur le climat, ben, quand même avoir des initiatives positives. Enfin, sinon, en fait, on s'en sort pas. Je pense que c'est super Ouais. important Et d'accepter ces puis, ambivalences. ouais, mais tu as tout à fait raison. Et se dire, en fait, je commence modestement, mais s'il y a une ou deux actions que je fais, je le fais bien. Versus, en fait, j'affiche un plan commercial, enfin, un plan RSE qui est hyper, hyper ambitieux, en fait, que personne ne va mettre en place. Et ça n'a aucun intérêt. Et après, pour mettre en place une stratégie RSE, si je reviens à ta question, Barthélémy, pour donner quelques exemples, je dirais que une des options, ça peut être de choisir un label. En fait, si vous choisissez un label et que vous rentrez dans une démarche de labellisation RSE, ça vous donne de la méthodo. Donc, en fait, vous avez cette phase d'audit qui est prévue. Ensuite, vous avez un plan d'action qui en découle. Vous avez des parties prenantes externes qui sont là pour vous aider, voire pour vous auditer. Donc, c'est… Quand on démarre, moi je trouve c'est super. Et en plus de ça, vis-à-vis de l'externe, ça a de la valeur. Ça dépend de la label que vous choisissez, mais quand même, ça en a souvent. Après, je dirais que moi, c'est quand même important de choisir une personne dans l'organisation qui est en charge du sujet au sein de l'entreprise. Chez EPSOR, en l'occurrence, ce n'est pas moi directement. On a justement quelqu'un qui a beaucoup fait chez EPSOR sur les sujets impact, mais avec qui, évidemment, on communique énormément et que j'aide et que je dois aider, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, si on laisse le sujet trop diffus, enfin, c'est un peu le piège à la fois de se dire oui, ça concerne tout le monde, mais en fait, si on ne donne cette responsabilité, cette casquette à personne, je trouve que le mode best effort, il a ses limites. Donc, je pense que ça, c'est une bonne pratique aussi. Évidemment, onboarder la direction, c'est hyper important. Enfin, je veux dire, à partir du moment où… vous avez vos dirigeants, dirigeantes qui sont hyper sponsors, voire qui sont eux-mêmes les personnes qui vous demandent de progresser. Bon, bah, c'est super, sinon, clairement, on a un problème. Et puis, en tant que moi, en tout cas, en tant que RH, et justement parce que c'est difficile parfois par rapport au day-to-day et aux priorités business, ben, de se tenir à ce qu'on a dit qu'on tenait, moi, j'avoue que… ce que je trouve pas mal dans ces cas-là, c'est de prendre des engagements en all staff. Je sais pas si vous, en tant que RH, vous avez des occasions de présenter vos roadmaps, de parler à tout votre staff et en fait de dire voilà, bon bah cette année, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, enfin moi je sais que c'est un levier de motivation énorme et qu'en fait quand je prends un engagement auprès des collaborateurs d'EPSOR, je ne peux pas ne pas le remplir. Donc une fois que c'est dit, après je me débrouille. Mais j'y vais et je pense que ça peut aussi être une bonne pratique sans tomber dans le piège d'annoncer une liste à la Prévert qui serait trop compliquée à honorer. Ouais, et en plus, je pense qu'une fois que tu as fait ça et que tu as déterminé quelqu'un dans la fonction RH ou dans un autre département qui est en charge, c'est aussi intéressant pour l'émulation collective qu'il y ait des gens de toutes les équipes qui sont intéressés par cette thématique de venir en personne ressource. Souvent, cette thématique-là, elle dépasse vraiment l'échelle de notre fonction et les entreprises qui l'exécutent la mieux, c'est celles qui ont réussi finalement à consolider et à faire rayonner toutes ces actions chez les salariés qui vont individuellement bah,
prendre des actions, proposer des choses. Je me rappelle du coup chez Mangopay qu'il y avait des salariés qui avaient proposé des actions en faveur de la durabilité avec un plan concret et ensuite qui a été adopté avec lequel on a travaillé. Mais en fait, ça vient de la base et c'est elle qui le fait vivre et ça, c'est hyper intéressant. Donc, finalement, il n'y a pas une approche idéale, c'est une approche hybride, un triptyque entre la direction, des personnes dédiées au niveau fonctionnel et puis des collaborateurs de l'entreprise qui sont engagés individuellement pour pousser le projet et le faire vivre. Question qui a été posée dans le chat, je vais la faire apparaître. Alors pour la personne, je suis désolé, petit souci de logiciel, mais en tout cas le nom n'apparaît pas, mais la question apparaît bien. Quels sont les outils de, enfin en tout cas les labels existants sur les labels RSE que dont tu parlais, Julia? Il y a Picorp, en tout cas. Bicorp, entreprise à mission. Ok. Comme ça, je le mettrai dans le entreprise à mission, Picorp. Je suis en train de rechercher parce que moi aussi, comme Christelle, je reviens de congé maternité. Et du coup, quand on revient de congé maternité, il y a plein de super effets. Mais un des effets négatifs, c'est qu'il y a des La choses perte de qui mémoire, c'est ça? Je te comprends. Je crois que celui que je cherche, c'est Positive Workplace. Oui. Qui est pour le coup Okay. un label français qui m'avait fait aussi une super impression. Nous, on a effectivement réfléchi, fait un audit un petit peu sur les différents labels au moment de choisir. Et finalement, on a choisi Bicorp aussi parce qu'il y a un rayonnement international et parce que Bicorp, il y a vraiment, enfin, je crois, est un des labels les plus exigeants. Et voilà, du coup, on avait envie de s'y confronter. Si en revanche vous êtes au début de vos réflexions et de la mise en place de stratégie RSE, je ne vous conseillerais pas Bicorp. Je pense que Bicorp, il faut y aller quand on est déjà un peu plus mature. Et donc effectivement, pour démarrer, les labels qu'on a cités peuvent être très bien. Petite question, mais ça bah, qui me vient du coup, il y a un intérêt de superposer les labels ou finalement Je pense que ça dépend lesquels on choisit. Et Ouais. ça dépend si effectivement c'est des labels qui vont mettre en avant certains aspects plus que d'autres. Typiquement, Bicorp, c'est international. Donc, si vous avez un premier label qui ne l'est pas et que vous avez un business ou que vous avez des salariés à l'international, oui, ça, c'est intéressant de passer par là parce que vous allez avoir un autre rayonnement. Mais j'avoue que je ne suis pas suffisamment spécialiste sur les différents labels pour. Bon, je pense que deux labels généralistes qui ont la même couverture fonctionnelle, entre guillemets, géographique, non, je dirais que non. Non, et puis après, il me semble que tu as des niveaux de granularité différents en fonction de, comment dire, des exigences, en fait, pour être certifié. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, bah, je vais sur un label où j'ai des engagements que je peux mettre en œuvre, c'est ma phase 1. Et ensuite, bah, je vais aller concourir pour avoir une autre certification parce que les conditions, elles vont être sur, par exemple, la raison d'être, les objectifs sociaux, environnementaux qui sont plus challenging. Et donc là, ça vaut le coup de se dire, ah bah finalement, est-ce que c'est pertinent de devenir entreprise à mission et comment, etc. Et effectivement, je vois Zay, c'est vrai, je connais aussi, enfin, et puis EcoVadis aussi, effectivement, qui est très connu. Enfin bref, vous avez plein de bonnes réponses dans les commentaires. Ok, si on part de manière donc hyper concrète sur les leviers d'action RH justement pour du coup mettre en place une stratégie RSE pour vraiment pour les RSE, donc sur tous les aspects effectivement comme tu l'as dit Christelle, toute l'entreprise est concernée, ça doit, voilà, les dirigeants doivent être engagés etc. là-dedans, mais niveau RH, quels sont les leviers d'action sur lesquels on peut vraiment vraiment, bah, justement, agir. Alors moi, évidemment, il y en a un comment dire, qui me porte, c'est celui des enjeux de la diversité et de l'inclusion. Je pense que c'est vraiment un sujet bah, qui touche à la fois à la marque employeur, au recrutement, au positionnement en fait des salariés dans l'entreprise. En tant qu'RH, on est vraiment à la porte d'entrée de l'entreprise et donc
évidemment, déployer ces enjeux-là, c'est clé. Ça va passer par de l'awareness et de la formation, de la sensibilisation qui est importante. Voilà, il y a ce sujet de, déjà, avant, comment dire, si on n'en a pas parler et si on communique pas là-dessus et si on se met pas un standard, en fait, on pourra pas mesurer derrière quels sont nos progrès. Donc, je dirais ça, mais il y en a bien d'autres. Il y a alors pour ne parler que de ça, Julia, je pense que tu es aussi concernée, tous les enjeux de la parentalité, du retour à l'emploi. On est en plein dedans toutes les deux. Ça, c'est typiquement des actions concrètes, je pense, que les RH peuvent déployer. Tu as aussi évidemment tout ce qui est autour des pratiques vertes. Tu as des entreprises, par exemple, qui vont avoir des restaurants d'entreprise et qui vont décider à un moment donné d'y mettre moins de viande. Vraiment, donc ça touche à tout ce qui touche à ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Je sais pas, Julia, si tu as d'autres exemples. Instinctivement, voilà, c'est les premiers qui me viennent, mais il y en a pléthore. Ouais, alors peut-être il y a un peu il y a différents objectifs. Je dirais le premier, on peut réfléchir en tant que RH à comment finalement éveiller les consciences. En fait, notre responsabilité en tant qu'employeur, c'est aussi ça. Et du coup, là, il y a des idées, dont certaines d'ailleurs ont été citées dans le chat, comme organiser des activités comme la fresque du climat, faire des activités, choisir des activités solidaires au moment des team building. Ça peut être aussi hyper intéressant, faire des conférences pour sensibiliser aux enjeux de diversité. Nous, par exemple, on le fait avec Gloria, que je recommande Et top. plus, qui vraiment permet sur des enjeux de diversité, typiquement, sur les biais, sur énormément de choses, de progresser. Donc ça, c'est top. Mettre aussi, par exemple, nous, ce qu'on a fait chez Ipsor, notre CEO a lu un livre qui s'appelle Impact d'Olivier Norek. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est devenu un peu une bible chez Ipsor. Donc il est à dispo dans la bibliothèque d'Ipsor. Des gens l'ont lu et certains nous ont dit, ah, ça m'a fait réfléchir. Et voilà, je trouve que c'est des petites choses, en fait, mais c'est important aussi. Peut-être inviter aussi les collaborateurs à faire leur bilan carbone individuel. Parce qu'on a des vrais enjeux à ce niveau-là. Donc, il y a déjà, voilà, je pense, tout ce travail potentiellement, enfin, c'est pas un travail d'ailleurs, mais c'est voilà, éveiller les consciences pour que chacun, en tant que citoyen, au-delà du fait qu'il est salarié de votre entreprise, se situe, comprenne, progresse. Ensuite, on peut nous-mêmes favoriser, avoir des actions pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Par exemple, quand vous avez sans doute dans vos entreprises des dispositifs de cooptation. Bah, quand vous faites des primes de cooptation, vous pouvez proposer à la place un don à des associations qui, par exemple, ont un sens avec votre business ou pas d'ailleurs, mais ça peut être une solution. Vous pouvez mettre en place un truc que je trouve super aussi, que fait Planète Urgence notamment, qui s'appelle le congé solidaire. Donc, le concept, en fait, c'est de permettre aux salariés volontaires de partir 15 jours pour une mission d'intérêt général à l'international. Et en fait, c'est un co-investissement parce que le salarié doit poser des congés. Donc, il pioche dans 2 semaines dans son enveloppe de congés. Et vous, en tant qu'entreprise, vous subventionnez le voyage Génial. et vous prenez en charge le billet d'avion. T'as aussi des plateformes comme Vendredi, si on doit en recommander, qui sont Voilà, topissimes incroyable. et qui permettent en fait de mettre en place des jours solidaires. Donc l'entreprise va se dire une journée, 2 jours par an, chaque salarié a la possibilité de donner son temps. Il peut et va du coup aller piocher dans la plateforme pour se dire moi typiquement je suis RH, je vais aller aider une association d'insertion des personnes à se mettre en avant, travailler les entretiens parce que c'est mon corps de compétences ou parce que je suis dev, je vais aider une asso à faire son site. Et puis après ça peut être aussi des choses très ponctuelles de la c'est le printemps, la maison de retraite à côté de chez moi, je vais l'aider à faire du jardinage et mettre en place en fait ce type d'action. C'est aussi une façon de s'engager individuellement. Alors, Gaël indiquait dans le chat, donc, et les autres fresques, notamment la fresque du numérique, surtout pour les acteurs du digital qui souhaitent évoluer vers un numérique responsable. J'ai entendu parler pas mal de fois la fresque du numérique. Vous, votre avis sur les fresques, parce qu'il commence à y en avoir plein aussi. Je sais pas, vous en faites pas, ça prend du temps.
Alors nous, on a une équipe en interne qui, il y a quelques semaines, s'est formée à la fresque du climat et a proposé du coup de l'animer à un moment donné, une soirée. Et c'était un super exercice. Je pense qu'on parlait de éveiller les consciences, sensibiliser. Là, on est en plein dedans et effectivement, c'était topissime. Donc, je le recommande, moi. Ok. Et alors là, depuis qu'on discute sur en tout cas la mise en place, que ce soit effectivement vous qui m'avez donné et avez donné partagé plein de choses intéressantes et dans le chat où effectivement des gens ont donné des infos, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a plein de trucs. Et comment il y a bien un moment, il faut se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Qu'est-ce qu'on va décider de prioriser? Qu'est-ce qu'on va pousser plus que d'autres? Donc, c'est en ça que je trouve que c'est intéressant, tu vois, qu'il y ait un chef d'orchestre qui puisse dire, bon, ben voilà, l'entreprise où elle veut se positionner, voici en tout cas l'affinité de chacun des collaborateurs par rapport à ces sujets-là. Comment on organise ça, en fait? Comment ça peut être? Est-ce qu'on donne une boîte à outils, on dit à tout le monde, bah, piochez dedans si vous avez envie de piocher dedans? Est-ce qu'on se dit, ben non, vraiment, nous, on veut être, voilà, parentalité, inclusion, diversité, ça, c'est vraiment notre. Tu vois, cheval de bataille, après le reste, comment on s'y retrouve en fait et comment on structure ça? En fait, moi, je trouve que se donner des objectifs assez précis avec une orchestration qui peut être individuelle et collective, c'est hyper important parce que, en fait, on est vite pris par le quotidien et c'est un vrai défi de faire vivre ça en permanence, de mesurer après nos actions, d'en avoir d'autres. Donc, je dirais, commencer modestement, se dire une, deux actions. Ok, je la mets en place, je la positionne en même temps que mes objectifs autres de ma fonction. On le déploie collectivement, en fait. On est tous, comment dire, on se tient accountable de ces objectifs-là. Et je pense que, effectivement, deux, trois objectifs comme ça, de prime abord, me semblent tout indiquer, se dire, bah, cette première année, on va faire ça. On a peut-être trois grands chevaux de bataille, et l'année prochaine, on en aura d'autres, et ensuite, on mesure l'impact, etc. Sinon, on se disperse, et surtout, ça passe complètement à côté du quotidien. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une vraie difficulté de. Et pour moi, c'est pas une course de vitesse. C'est vraiment un marathon. C'est vraiment des choses qu'on met. Et en fait, il n'y a pas d'Éden. On peut toujours faire mieux. Il y a un peu deux façons de le faire. Et on fait un peu ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on part dans une politique RSE un peu générale où en fait. On pioche dans tout ce qu'on s'est dit là et on le rattache pas forcément à un combat en particulier. En fait, on va pas sauver le monde, pour être clair. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, quand on prépare le truc. Notre entreprise ne va pas toute seule sauver le monde. Donc, ce que je veux dire par là, Clairement. c'est qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de choisir un combat, entre guillemets. Par exemple, je sais qu'avant, moi, je travaillais chez Accenture. Accenture, leur combat, c'était l'emploi. Donc, en fait, toute la politique RSE, elle découlait autour de l'emploi. Et du coup, c'était hyper cohérent, hyper lisible pour les salariés. C'était une vraie raison de s'engager. Et il y avait plein de choses autour de ça. C'était super pertinent, c'était cohérent. Voilà. Nous, par exemple, chez Epsor, c'est vrai que l'investissement socialement responsable, enfin, ça a beaucoup de sens aussi par rapport à notre activité. Après, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on fait que des choses par rapport à ça. Et je pense qu'il faut s'autoriser aussi à papillonner un peu. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, toute bonne initiative est quand même bonne à prendre. Mais si vous pouvez vous trouver une thématique forte, ça sera hyper lisible et hyper puissant, c'est sûr. Clairement. Niveau parentalité, congé maternité, donc bon, on a cité dans le chat apparemment Mélie Desmélo qui est super, qui peut recommander en tout cas des politiques égalité et parentalité et le Parental Challenge évidemment, 12 premiers engagements et 100 bonnes idées à mettre en place. Pareil, je vous mettrai les liens dans le chat pour ceux qui souhaiteraient pouvoir y revenir. Ok, donc du coup, bah, ça, moi,
Effectivement, ce que tu disais, Christelle, se fixer des objectifs et du coup, se donner les moyens de traquer les résultats. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer que les efforts durent dans le temps? Parce que comme tu dis, Ouais. c'est pas un one shot, quoi. C'est Non, c'est pas one shot, faut mesurer ses progrès, donc se fixer ces objectifs-là, puis ensuite les évaluer. Typiquement, tu vois, sur les sujets diversité et inclusion, tu as Mixity qui permet de faire un audit pour savoir où on en est dans l'entreprise. Je pense à eux. Tu as aussi des entreprises qui permettent de se dire bah, en fait, où on en est en termes de bilan carbone. Tu as différents acteurs. T'as déjà, tu peux t'aider aussi de l'externe en se disant bah, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment mesurer, ça m'a l'air un peu nébuleux. Et ben, en fait, je m'appuie auprès d'une expertise externe. Ça peut être aussi un bon début. Évidemment, si l'entreprise elle a une maturité plus jeune, on peut tout à fait faire des choses fait maison qui sont très simples. Tout simplement, typiquement, bah, sur les enjeux, encore une fois, de diversité, on peut mesurer le nombre d'hommes, de femmes, les niveaux de responsabilité. Je pense à ça, les niveaux de salaire. Ça donne quand même une bonne idée, typiquement, sur le sujet égalité femmes-hommes. Voilà. Donc, je dirais que c'est un peu des deux, un peu du fait maison. Et puis après, en fonction des moyens qu'on a, on peut aller chercher des prestats et des choses en externe. Je ne sais pas si Julia, il y en a d'autres qui te viennent là en tête. Oui, je pense que c'est pas mal, comme tu dis, d'avoir un certain nombre de métriques comme celles que tu as citées. On pourrait aussi parler sur des sujets environnementaux de son empreinte carbone, sa consommation énergétique, des taux d'absentéisme, de l'attrition. Enfin, en fait, tout ça, en fait, les politiques RSE, enfin, tout ce qui va pouvoir avoir un impact positif sur la performance et le bien-être des collaborateurs, ça va se refléter dans ces indicateurs RH-là. Donc, finalement, ça en fait partie. Et après, ouais, par rapport à ce que tu dis, hein, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le statut d'entreprise à mission qui est le nôtre chez EPSOR, qui en fait, l'idée, c'est d'inscrire dans vos statuts votre mission en tant qu'entreprise et votre raison d'être, comme on dit. Donc, chez EPSOR, c'est guider et éclairer les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain. Et ça, du coup, le fait d'avoir ce statut, derrière, il y a des obligations qui en découlent, notamment le fait de nommer un comité externe, en fait, un comité d'entreprise à mission qui est composé de personnes extérieures, et justement de définir les indicateurs que vous allez suivre, pardon, pour répondre à votre mission. Et ça, du coup, ça vous inscrit nécessairement dans le temps. Enfin, parce qu'en fait, vous les calculez à échéance régulière, vous avez un comité externe qui vient en parler avec vous, etc. Donc, c'est la même chose d'ailleurs, hein, pour la certification. Ça peut être aussi pour que les efforts durent dans le temps, par exemple, nous, enfin, d'avoir dans votre accord d'intéressement un critère lié à la RSE ou à l'impact. Nous, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas chez EPSOR, mais on réfléchit à, par exemple, peut-être avoir la proportion des encours de nos clients sur des fonds investissement socialement responsables. Est-ce que ça peut être un objectif d'entreprise et de se dire que ça, derrière, bah, effectivement, ça génère une prime d'intéressement? Ça peut être aussi une façon de l'ancrer dans votre entreprise sur du long terme et de piloter avec des indicateurs qui intéressent tout le monde et qui déclenchent des primes. Ben, L'incitation est forte, ouais, Ouais, exactement. clairement. L'exécution du plan, ouais, tout à fait. Est-ce que ça arrive que justement les projets RSE, en tout cas les sujets, malgré la multitude qu'on a RSE, soient justement à l'initiative des salariés, de récolter les avis et de se dire bon, là, je lance un sondage auprès de l'entreprise, je vois qu'il y a une majorité qui souhaite s'investir sur tel ou tel sujet, donc ça va devenir un sujet qu'on va prendre à bras le corps, qu'on va mettre en place. Vous avez déjà vu ça? Vous l'avez déjà vécu? Ouais, notamment aussi, il y a le CSE dans les entreprises, toutes les instances de représentation du personnel qui, des fois, bah, prennent le pouls des équipes, de toutes les initiatives et qui les font remonter. Je pense que c'est, ils ont aussi leur carte à jouer là-dessus. Mais oui, clairement, clairement, moi je sais qu'ils sont hyper exigeants chez EPSOR. Enfin, déjà, ils prennent des initiatives de
mettre des coms dans les bureaux pour dire prenez votre tote bag quand vous allez chercher à manger, prenez des Tupperware, il y en a plein ici, le tri des déchets, c'est eux qui l'ont mis en place. Enfin, donc effectivement, c'est des choses qui sont pratico-pratiques. Ils n'ont pas forcément le temps par rapport à leur mission opérationnelle de partir dans des projets stratégiques, de les leader, même s'ils adorent être collaborer. Mais oui, clairement, ils sont. Ils nous inspirent aussi et ils sont hyper concernés. Donc c'est chouette, c'est un moteur. Ouais, donc ça permet aussi, c'est un acteur justement à solliciter et à impliquer en tout cas clairement dans les sujets RSE, voire même partie prenante. Bon, bah trop bien, merci. Ouais, j'ai fait apparaître à l'écran pendant que tu parlais, Christelle, désolé, je crois que ça t'a interrompu, mais donc Gaël disait pour mesurer son impact carbone et se projeter dans un engagement impactant, il y a l'atelier 2 tonnes. Je me permets de le redire à l'oral puisque la semaine prochaine, je fais justement un live avec le cofondateur de 2 tonnes et la DRH donc du wagon pour bah, expliquer comment on peut faire des formations à grande échelle comme ces deux structures-là ont pu faire. Ouais, nous, on l'a fait avec Greenly, notre bilan carbone. Enfin, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. Il y a des idées qui sont venues comme une journée sans viande, enfin, voilà, des trucs qui viennent. Mais, enfin, bref, c'est intéressant de le faire. C'est super intéressant. Génial. Bon, on va arriver à la fin donc du temps qui nous est imparti. Et donc l'objectif c'est pas de trop dépasser. S'il y a des questions, des dernières questions, des personnes qui sont encore là qui souhaitent dire voilà nous poser des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Christelle, Julia, je sais pas, il y a quelque chose que vous auriez aimé dire que vous avez pu ne pas dire? Pas forcément, je dirais, enfin, juste en conclusion que ces enjeux-là, c'est des enjeux qui sont assez cruciaux, mais qu'on peut facilement mettre de côté. Donc, si on se dit quels sont les enjeux pour les RH aujourd'hui, c'est peut-être de sans cesse les ramener sur la table et d'avoir ce rôle finalement de chef d'orchestre qui vont me dire, OK, là on dévie, bah, oublions pas ce truc. Je pense que soit les RH ou une direction impact, que encore une fois, on est bah, des personnes dont la fonction soit de ramener ses objectifs sur le sous les projecteurs. Ça, c'est pour moi clé, de pas en faire un sujet, d'en faire un sujet vraiment global qui touche tout le monde et de prendre des engagements publics en interne ou en externe. Ça permet bah, de se dire que bah, on l'a dit, on le fait. C'est ce que tu disais, Julia, tout à l'heure. Je pense que ça, c'est clé. Et surtout, commencer petit à petit, c'est vraiment l'allégorie du colibri, mais voilà, commencer modestement et avancer petit à petit sur ces enjeux-là, je pense que c'est clair. Et surtout, en fait, arrêter de faire la com dessus. Je trouve que souvent, on assiste à un jeu un peu de greenwashing sur ces thématiques-là où on se dit, oui, mais super, en fait, l'entreprise est parfaite, est vertueuse, etc. Et en fait, les partenaires, les acteurs sont pas dupes. Donc, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça et être hyper humble dans sa démarche. Voilà. Et encore une fois, pas de bullshit. Et pas de bullshit. Ouais. Peut-être moi, le mot de la fin, ce serait, c'est mon côté un peu idéaliste, mais c'est plutôt, en fait, faites-le avec le cœur. Et globalement, si vous mettez, je pense, du cœur et de la bienveillance dans ce que vous faites. En fait, nécessairement, finalement, c'est ça, je pense, la RSE. Et faites-le avec vos convictions. Et évidemment, ça a un impact positif sur le business, la performance, le machin, le truc. Mais je crois que c'est comme la diversité, finalement. Ce qui doit driver la diversité, c'est pas parce que c'est bon pour la performance, c'est parce qu'en fait, c'est l'humanité avant tout. Et derrière, en plus, c'est positif. Donc, tant mieux. Mais c'est pas ça la première raison de le faire, je crois. Boum. Eh ben, merci Julia, c'est une très belle, très beau mot de la fin. Mira, donc je ne fais pas apparaître ton message à l'écran parce que c'est très challenging pour moi et c'est un des gros sujets. Non, je vais le faire apparaître, mais est-ce que tu nous feras un petit bilan à partager à la fin de la réunion? Je sais que c'est des formats, voilà, on dit beaucoup de choses, il y a plein de trucs, et moi le premier, c'est des trucs sur lesquels je voudrais revenir. Bon, pour l'instant, je n'ai pas réussi à dégager suffisamment de bande passante pour réécouter ce genre de live et en faire une synthèse, mais promis, en tout cas, c'est un truc sur lequel voilà, je vais essayer de travailler par la suite.
Merci en tout cas, merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Julia, merci beaucoup à toutes et à tous en tout cas d'avoir participé au live et en tout cas le replay est disponible voilà, directement sur l'événement du lien LinkedIn. Merci. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi tout le monde. Salut. Bye bye.